L'histoire a le souffle du large et de l'amour. Françoise et Christian, c'est à la vie et à la mer. En Bretagne, Françoise Calvez est la seule femme professionnelle à pêcher la coquille Saint-Jacques. Là, 140 coquilles, 25 kilos, si tout se passe bien, elle va mettre entre 9 et 11 minutes. De l'automne au printemps, elle travaille dans la baie de Saint-Brieuc, par 15 à 20 mètres de fond. Quand tu es dans des bons coins, c'est top, tu n'as pas besoin de nager beaucoup. Puis il faut avoir l'œil. Tu les ramasses une par une et tu les mets dans ton filet. Et au bout de 140 coquilles, je remonte. Always on the go. Always queen of the show. Françoise a eu plusieurs vies professionnelles. Coiffeuse, employée de supermarché, agent immobilier. Et puis, il y a eu la rencontre avec Christian et le métier de pêcheur. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Hein. Quand j'ai commencé, j'allais faire un tour en mer. Ce n'était pas pour en faire un métier du tout, c'était juste pour filer un coup de main. J'ai commencé, il faisait beau, c'était le printemps, donc c'était sympa. Mais en fait, après, je crois que on a trouvé ça confortable de travailler ensemble, et j'ai aimé la mer, ça j'ai vraiment aimé la mer. Les conditions météo sont parfois difficiles, comme ce jour-là avec une mer formée. Bon, Françoise, on est dans le time, il va falloir y aller. Au fur et à mesure de mes plongées, j'arrive à éliminer toutes mes appréhensions. Et puis les angoisses, au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est pas possible, je respire sous l'eau, ça va pas. Comment je fais si j'ai plus d'air qui arrive? Au début, c'est tout le temps. Et je me pose plus du tout ces questions-là. Quoi. Je trouve ça normal maintenant d'être même à 30 mètres toute seule. Ça me pose plus aucun problème. Quoi. Lorsqu'elle plonge, Christian n'a aucun moyen de savoir ce qu'il se passe, ce qui peut rendre parfois l'attente un peu stressante. Je crains que la visibilité du fait du mauvais temps soit très limité, donc j'espère que ça va le faire quand même, mais ça souffle beaucoup de coefficients, 99, l'eau est peut-être dégueu, peut-être pour ça, on va voir. Ce jour-là, Françoise est parvenue à cueillir dans des conditions difficiles, 280 kilos de coquilles à la main.